Chez moi, il y a deux félins, Bernard le chat et Zgougou la chatte, offerte par Sabine. Au bureau de production, elle étale ses poils et son poids sur les tables et sur un des ordinateurs. Elle est reine, présentatrice et dominatrice. Bernard l'accepte. Signe particulier d'une chatte de production, une caméra tourne, elle se met devant. Un entretien commence, elle se met à ronronner. L'ordinateur est allumé, elle se met dessus. Mais il y avait un problème. Elle bloquait la ventilation avec son poids et les circuits avec ses poils, qu'elle perd en vieillissant. Il a fallu réagir. On a bâti un petit habitacle pour que l'ordinateur soit aéré et que Zgougou puisse encore trôner et dominer. Bernard l'accepte encore. Et nous aussi, qui travaillons pendant qu'elle se repose et rêvasse. Se souvient-elle qu'elle a tourné avec Jacques Demy en 1990 dans Jaco de Nantes? Allez, maintenant, hop, laisse-moi écrire. Pour le trône de Peau d'Âne, Jacques et Jim Léon avaient imaginé un chat géant. Alors ils ont fait faire un chat géant blanc sur lequel trône Jean Marais. Et vous m'épouserez? Oui, mon père. Diable! Oh mais non, Zgougou n'a rien d'un diable. C'est une vieille ange avec une âme de chaton. La reine, le sphinx et la beauté.